Librimonde s'achevait ce soir, une édition toujours un peu bousculée par l'épidémie de Covid, mais qui a reçu cette année beaucoup de monde, un public de passionnés, plus avides de sorties et de rencontres que jamais. Quand on envoie des invitations, il y a d'abord la joie de l'accord de l'auteur, et puis après il y a la possibilité de venir ou non. Cette année, on a accueilli des auteurs bien sûr français, mais au-delà, on a des auteurs étrangers qui ont réussi à venir sur l'île, et c'était une grande satisfaction pour nous, et surtout pour le public, parce qu'encore une fois, je rappelle la philosophie de Librimonde, ce qui nous anime, c'est vraiment d'avoir donné la possibilité de rencontrer, de démocratiser cette lecture, et la sortir un petit peu de son carcan, un peu, son aura un petit peu à part, ou... élitiste. Et parmi les auteurs qui se délectent d'avoir parfois plus de succès ailleurs que dans leur propre pays, il y a Lance Weller. Cet Américain écrit sur la guerre de sécession, sur l'esclavage, sur la violence d'un pays qui célèbre inutilement ses guerres. What do I know about a black person's struggles in America today? Que sais-je des combats d'une personne noire aux États-Unis aujourd'hui? Rien. Je suis un homme blanc, privilégié. Que sais-je du combat d'une personne noire il y a 150 ans pendant la guerre civile? Pas mal de choses. J'espère qu'avec le temps et des leaders moins catastrophiques, on y vient, nous redeviendrons ce que nous n'aurions jamais dû cesser d'être, ce que nous voulons être, un exemple pour la démocratie. C'est un crève-cœur de vivre aux États-Unis aujourd'hui. Ainsi va Librimonde, pour Lance Weller, ici on évite la culture woke, mais on n'hésite pas, même quand ça dérange, à parler vrai.